Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Léo et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, avant-dernière vidéo de notre petit calendrier de l'Avent spécial, notre Let's Play spécial Noël sur Transport Uber 2. Aujourd'hui on va s'atteler à la construction de notre ligne qui va connecter Nantes et Strasbourg. Rappelez-vous, Nantes, bah, c'est la dernière ville qu'on a connectée à notre réseau ferré, donc là toutes nos villes ont une gare. Strasbourg c'était la première ligne qu'on avait connectée, donc on a fait la boucle. Normalement, à la fin de cette vidéo, la boucle devrait être bouclée, comme on dit. Donc, on va repartir de Nantes. On va repartir de nos quais non électrifiés. Et on va construire notre ligne qui monte jusque tout là-haut. Alors, on va prendre 25 000 voies de service non électrifiées, voilà, juste pour avoir des rails à 60. Alors, j'avais deux hypothèses. Soit je faisais partir ma ligne... Vous voyez, par là, comme ça, genre, elle monte là, je sais pas comment, et puis, ensuite, l'idée, c'est qu'ensuite, là, elle repasse par là, et elle vienne à Strasbourg par ici. Là, hypothèse numéro 1. Après, l'autre hypothèse, c'est juste de partir comme ça, de monter, beaucoup, mais regardez tout ce qu'il y a à monter, quoi. Ouais, donc, je pense que c'est un peu moins probable. On va, je pense, partir par ici. Mais vous voyez, on va faire un virage comme ça, là. Et puis ensuite, rouler un virage comme ça. On va faire encore une fois un S. Ou un tunnel hélicoïdal. On va voir ce qu'on fait. Donc là, juste, on va partir comme ça. Et on se fait un virage. Et on va direct commencer à monter. Bon, là, par contre, on va mettre de la grosse montée. Non, on va rester sur la petite montée, en plus. Je voulais mettre des trains à vapeur sur cette ligne. Donc alors, on se met un truc comme ça, là on va mettre une entrée de tunnel comme ça, ça va changer un petit peu. Voilà. Vous voyez là, on refait sortir nos deux voies. Donc ce sera une ligne à voie unique hein, d'ailleurs. Je sais pas si je l'avais dit ou pas. Mais Strasbourg, c'est une toute petite ville, ça va être une ligne clairement secondaire, vous voyez. C'est pour ça que je mets d'ailleurs la ligne à 60 km/h, parce que je m'en fiche un peu du temps que mes trains vont mettre sur cette ligne. C'est une ligne qui a vraiment pour objectif d'être très secondaire. Donc là, vous voyez, on se fait un peu un truc comme ça. Vous voyez, notre train là, hop, il monte. Et ils vont repasser au-dessus. Là, il repasse au-dessus. Là, on va se mettre un joli truc. Là, on investit, on met le top budget. Vous voyez, ça fait un espèce de 8, là, la montée. Et là, on est encore super bas. Ah là là, on n'y arrive jamais. On n'y arrivera jamais, donc. Hop. Si on termine ici, on se met un truc là comme ça. Là, hop. Ici, on a l'impression qu'on est assez haut, mais on n'est même pas assez haut finalement. Voilà, la montée de l'enfer là. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. C'est même plus du tunnel hélicoïdal là. C'est comment faire monter une voie ferrée là où c'est impossible. En même temps, ouais. Franchement, on n'a pas le choix. Il y a tellement à monter, on est obligé de faire un truc comme ça. Ouais, ça fait vraiment 8. On va juste terraformer parce que là, c'est à peine probable d'avoir une voie ferrée comme ça là. Plus avec la neige et tout qui doit s'écrouler dessus, laisse tomber le truc. Mais j'aime bien. Ça fait un beau truc. Bon là on arrive quand même, on commence à arriver à une hauteur suffisante. Ici. Donc on va quand même un peu augmenter la vitesse. Maintenant on va passer à 80. Bon ouais, c'est pas non plus l'augmentation de dingue. Je suis bien d'accord. Mais voilà. 80, c'est déjà un peu mieux quand même. Et après, bah, comme d'habitude, hein, on va suivre
Donc là, les reliefs de la montagne. Pour aller donc en direction de Strasbourg. L'avantage de 80, c'est que on peut quand même assez bien suivre les reliefs de la montagne, de manière générale, bien sûr. Donc là, on va arrêter de monter. Je pense qu'on est suffisamment haut. Ouais, on est vraiment largement assez haut là. Voyez, on va traverser comme ça. Ah là, la montagne, elle fait un petit écart, donc on va le suivre. Ouais, là on ressortirait trop tard après. J'étais bien ici. On reste sur du plat. Voilà, je ressors au bon endroit. Hop. Non, là, il faut pas que je passe comme ça, là. Je sais pas pourquoi j'ai tourné à droite. Je pensais que c'était une bonne idée. Mais on dirait bien que non. Regardez, vous voyez, si on voit le relief. En gros, j'essaye de suivre, là, un peu. On peut s'aider un peu du relief, pour une fois. C'est vrai que je m'en aide jamais trop. On voit bien le cran que j'essaye un peu de suivre. Après, je crois que... il y a un moment, il faudra peut-être monter, hein. J'ai peut-être juste pas le choix de monter. J'ai pas envie de monter trop. Non, vous voyez, j'ai carrément le choix vu que là, ça me proposerait sinon un pont. Ah ouais, un truc comme ça, tac tac tac. On va déjà mettre le... ah ben non, c'est une voie unique. J'avais dit on va mettre le deuxième rail, mais du coup non. Non, non, non. On met pas de deuxième rail, Léo. Hop. On se fait ça. Voilà, faut quand même... soit faut que je m'écarte par là. Je suis quand même vraiment dans une phase. Je pense qu'il faut que je monte. Ouais, j'ai pas le choix de monter. J'ai pas le choix de monter par rapport à là après où il faut que je sois. Ou alors, attendez, on va peut-être partir de la gare. Parce que peut-être on est coup du hasard à bon niveau. N'est-ce pas? Ne sait-on jamais. Donc on va partir de là. Bon là, on va partir assez droit vu que le terrain est assez droit. Voilà. Et puis là, hop, voilà, on va se connecter. On va vraiment se mettre à côté du terrain. Voilà. Et là, donc, on arriverait par ici. Ça éviterait toute cette partie en tranchée. Que j'apprécie pas vraiment en plus. Pas plus que ça. Donc là, on continuerait genre cette courbe. Si je continue cette courbe, là, je peux aller tout droit en mettant un pont. Un petit pont. Et après, voilà, il y a quand même une petite montée à avoir. Donc peut-être, on va pas faire le pont et peut-être on va juste descendre un peu. Bon, vous allez me dire, après la descente qu'on vient de se faire, voilà, ce sera une descente tout au moins relative. Voilà, puis on va descendre comme ça. Et puis là, ça, le jeu me proposait quand même quelque chose de pas mal, là. Hop là. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ouais, c'est bien. On est bon pour cette petite section. De toute façon, le plus dur, c'était pas là dans la vallée. Vous voyez, c'est assez plat. Et puis c'était assez facile à faire. Hein. Le plus dur c'était vraiment de... là, au-dessus de Nantes, là. C'était pas une mince affaire, ça. Voilà.
La descente pour aller à Nantes. Mon dieu, la ligne. Alors, on va se mettre... donc... Ici, il faut que je fasse rentrer inévitablement des aiguillages. Ah. Va trouver le point parfait pour mettre à 60. Ok, je l'ai trouvé. Pile quand je me plains que je le trouve. Voilà, on va essayer de mettre une TJD qui traverse tout. Ou qui traverse tout au moins jusque là. Est-ce que là la TJD elle passe à 60? Oh, 59, c'est bon. On va pas non plus pousser le vis trop loin. Ok, comme ça, comme ça. Puis là, on peut mettre ça comme ça. Et genre on peut mettre un espèce de, je sais pas, de dépôt là pour terminer le truc. Un dépôt avec un seul rail électrifié, ouais. Bah au moins, le dépôt, on a une voie électrifiée, une voie thermique. On est mixte. On va se mettre, ouais, on va se mettre un petit dépôt, genre un petit dépôt comme ça. On va même mettre le petit bureau annexe. Et au niveau de l'électrification, bon, c'est soit tout électrifié, soit rien. Ouais, ouais on va faire comme ça. Hop. Donc là, on va un peu creuser un peu plus. Voilà. Voilà, voilà. Terminus notre gare. Oula, notre train qui part, est-ce qu'il y a du monde à l'intérieur? Oula, mais c'est qu'il est carrément complet. C'est qu'il est carrément complet, c'est qu'on a du monde sur cette relation. Bon, celui de derrière, il est un peu moins rempli, mais... Ah oui, 166 personnes, bah c'est bien, c'est que les gens veulent prendre le train. Bon, nous, on va faire notre ligne hein, Nantes-Strasbourg, là, du coup. Voilà. Ah bah oui, là, Strasbourg, d'ailleurs, j'ai pas mis d'aiguillage. C'est pareil, du coup, est-ce que j'électrifie ou pas? On va électrifier une voie terminus qui va jusque là. On va faire un truc comme ça. Regardez. On va électrifier là. Parce que ça sert à rien d'électrifier toutes les voies, de toute façon. Voilà, toi, je pense que ça passe à 60, ça. Non. Trop d'espoir. J'ai trop d'espoir. Bon. Alors, on va le faire en deux parties. Voilà. De toute façon. Ici, non électrifié, du coup, voilà, mes trains, ils arrivent. Ils arriveront sur un de ces deux quais, au choix. Au choix, au choix. Et on va donc juste quand même se mettre les petites signalisations. Ici, on va mettre des signaux mécaniques hein, quand même. On va mettre les signaux mécaniques, là, les vieux comme ça. Ouais. Tac. Là, on va mettre leur homologue à droite. Hop. Et ici, j'ai oublié, mais il fallait que j'en mette du coup un autre à gauche. Eh oui. Ici, on se met... Voilà. Non, je voulais pas le mettre là, lui. Bon, c'est pas grave. Non, ici, ce serait plutôt un violet, du coup. Et toi, ici. Et l'arrivée à Nantes. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Bah, du coup, l'arrivée à Nantes, toi, ce sera en BM. En BM, toi. Et là, toi. Et toi. Voilà. Bon, de toute façon, il n'y aura qu'un train sur cette ligne. Donc, on va renommer la ligne, d'ailleurs, Nantes-Strasbourg. Voilà. Et on va sortir un petit train de notre dépôt. Dépôt qu'on a sciemment construit. Alors, on va mettre un train diesel. Vu que la ligne n'est pas électrifiée, bien sûr. On va pas mettre d'automoteur. Ouais, je sais pas. Ah, je sais pas, parce que... Ouais, on est sur une petite ligne. Moi, je serais tenté, si vous voulez, de mettre les 72 000. Les petites 72 000, là. Genre celle-ci. Avec des petites voitures corail intercité comme à l'ancienne, quoi.
genre 4-5 voitures. Vraiment des voitures intercités. Où est-ce qu'on les trouve? Petite voiture. Ah, ou des petites voitures. Non, pas des Corailuna. Vraiment des intercités. C'est Vallée de la Marne. Ça, c'est intercités. Ah, mais c'est des intercités comme ça, les intercités violets. Zut, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Là, c'est que les carmignons. C'est des trucs de nattes. Ah, ici. Ouais. Je savais que c'était un petit truc merdique. Voilà, vraiment des voitures, vous voyez, intercités comme ça. Voilà. 5 voitures intercités. Hop. Bon, 91 personnes, je pense que ce sera rarement assez, je sais pas. On va voir, de toute façon. Écoutez. Et, bon, dans le doute, je mettrai quand même une voie de croisement. Je vais quand même mettre une voie de croisement, parce que de toute façon, quand je ferai mon dernier cabride, là, il faudra que mes trains se croisent à un moment donné. Bien entendu, donc, on va se mettre une voie de croisement ici, on a de la place. Voilà. Et puis, donc, on va prendre... On va se mettre pareil, ouais, des petits sémaphores comme ça, hop. Ici et ici. Voilà. Ça, mes trains, vous voyez, on est à peu près au milieu du parcours. Parce que là, il faut pas croire, mais il y a une sacrée longueur avec tout ce dédale à 60. Ça, mes trains pourront se croiser. Bon, il y a du monde qui attend pour mon tramway nantais. D'ailleurs, j'ai ajouté un tram, il y en a 3. Mais on dirait que c'est même pas assez. Peut-être en mettre 4 alors. Un tram toutes les 90 secondes. Un tram toutes les 1 minute 30. Pas mal comme taux, ça. 59 personnes ici. Il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde. Là, on a notre train qui sort, petit à petit, tout timidement, avec la belle CC 72000 comme ça. Ouais, ça, c'est un beau train, ça. Eh ben, écoutez, moi, ce que je vous propose, on va pas se faire le cabraille de toute façon dans cette vidéo, ce serait tricher. Ce que je vais faire, c'est, je vais vous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo pour qu'on fasse ce cabraille. De train entre Nantes et Strasbourg. Avant, on va juste voir si on n'a pas oublié un petit endroit sur la map, si tout est bien relié. Bon, au final, Strasbourg a pas vraiment grandi. Bon, Fuselin, une ville comme une autre qui n'a pas vraiment changé. Montauban, Hellem. Ah, voilà, ça que vous voulez voir surtout, c'est est-ce qu'à Hellem il y a du monde qui prend mes bus? Ouais, un petit peu de monde. Là, dans mon train, il y a combien de personnes? Il y a quand même 140 personnes qui continuent vers Nantes. Est-ce que j'ai un autre train sur la ligne? Ouais, là, lui, il est presque complet aussi. Et là, ah, il va à Strasbourg par la ligne classique. Ouais, mais non, on passe par là, du coup. Ah oui, là, j'ai bien fait de rajouter un tram, parce que, regardez, cet arrêt de tram est complètement saturé, là. Il faudra peut-être que je mette des trams plus capacitaires, sinon. Je sais pas. Bon, il y a un tram juste derrière, vous me direz. Je suis pas sûr qu'il soit très rempli. Ouais, 6 personnes. On va voir s'il absorbe un peu... la populace qui veut prendre le tram. En même temps, je les comprends. La distance qui les sépare de la gare et surtout la hauteur. L'altitude, là, on surplombe carrément. On est limite à la hauteur des hauts buildings. Voilà, parfait. Là, notre train, il peut directement aller en direction de Strasbourg. Nickel. Bon, bah ouais, je suis vraiment satisfait, là. En plus, si dans mes gros intercités, là, on a du monde, on va voir le monde qui descend à Limoges. Il y a du monde qui est descendu, mais il y a quand même du monde qui continue vers Nantes. Hein. 150 de fréquentation. Il y a des gens qui prennent mon petit bus ici. Bon, c'est vrai que j'ai 2 bus. C'est peut-être un peu trop. On va peut-être en mettre juste un. Là, LM, 2 bus. Ouais, ça va, c'est assez visiblement. On a des gens qui prennent notre bateau. Il y a toujours 12 personnes à bord. Ça n'a pas changé. Il nous rapporte 800 000. Bon. Ok, à Montauban, je crois qu'il y a toujours des gens qui prennent qui prennent le bus ici pour aller à cette gare, vraiment très particulière. Ok, et au niveau de, surtout moi ce que je voulais voir c'est au niveau de Clèle, et est-ce que c'est saturé, la colonne, il y a un peu de gens qui attendent pour aller à Montauban, oui du coup vu que mes trains sont fréquentés, limite il faudrait que je rajoute un train alors on dirait.
Ça, les gens, ils veulent aller en direction de Montauban. Ouais. Ok. Et à Clel? Non, bah à Clel, tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a pas trop de gens dans mes trains. Ok. Bon, bah écoutez, on va finir la vidéo là-dessus. Hein. Tac. On va se donner rendez-vous dans la prochaine vidéo. J'hésitais en fait à faire... à construire la ligne. Ah d'ailleurs ici ma petite gare. À construire la ligne de train qui fait le tour de la map. Mais on va se garder ça pour la prochaine vidéo. Ce sera fun à faire. Là on a un petit train ici. Ouais c'est bien, il est presque complet. Train qui s'arrête au milieu de rien. Ah c'est beau, c'est beau. Bon écoutez, moi je donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour l'épisode final de ce Let's Play spécial Noël. Vidéo aujourd'hui un peu plus courte, mais c'est pas grave. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis bah à dans 2 jours pour l'épisode tant attendu depuis presque 1 mois. Salut tout le monde, c'était Léo, à plus.